Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur les prédateurs. Alors, pas ce type de prédateurs-là. En fait, ce que j'ai fait comme expérimentation, c'est que j'ai mis une caméra de chasse, puis j'ai mis des résidus d'abattage d'animaux, donc de lapins puis de canards, puis je vais vous présenter la vidéo. Mais si la vue de résidus d'abattage vous choque ou vous interpelle, vous impacte d'une manière émotionnelle, bien, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo-là. C'est évidemment quelque chose que je vous conseille pas de faire chez vous, en fait, sur une base régulière, simplement parce que ça va attirer les prédateurs dans votre secteur. Moi, je l'ai fait parce que je suis juste quelqu'un de trop curieux, puis que mon setup de recyclage et de compostage des résidus d'abattage n'est pas encore au point. Donc les corbeaux sont arrivés encore en premier. Puis à la nuit tombée, un coyote. Ensuite vient une tempête de neige et l'affaissement des conifères, des branches qui vont cacher et réduire la visibilité. Le coyote dans la nuit avec ses yeux perçants. Donc voici les animaux qui sont ressortis du lot avec leur nom, bien entendu.